Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, je reçois Nicolas et au travers de son témoignage, vous allez voir que le monde spirituel existe vraiment, que l'occultisme existe sous toutes ses formes, sous différentes formes. Comment peut-on en arriver là? Comment peut-on en arriver à pratiquer ces choses et quel est le revers de la médaille? Vous allez comprendre les tenants et les aboutissants de pratiquer ce qu'on appelle l'ésotérisme. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Partage ton histoire. Bonjour Nicolas. Bonjour. Bienvenue dans Partage ton histoire. Alors aujourd'hui, tu es là pour témoigner de ce que Dieu a fait dans ta vie et surtout d'où tu viens en fait, quel est le passé, dans quelle pratique tu étais et ton témoignage, en tout cas, c'est de l'ésotérisme à Christ, à une rencontre avec Dieu. Et du coup, j'aimerais que tu puisses rapidement te présenter avant de commencer ce témoignage. Alors, je m'appelle Nicolas, j'ai 40 ans. Je vis en Bretagne avec mes deux enfants. Ok, d'accord. Et j'aimerais savoir, du coup, on parle d'ésotérisme, mais qu'est-ce que l'ésotérisme, en fait ? C'est un regroupement de pratiques occultes où, bien souvent, ça passe par des initiations avant de pouvoir pratiquer. D'accord. Et du coup, toi, tu as pratiqué quoi ? J'ai commencé assez jeune à des pratiques un petit peu médium. Mmh. Après, magnétisme. Et comment déjà était ton rapport avec le surnaturel? Comment tu as su que tu étais chrétien, croyant? Dans ta famille, ils étaient croyants? Non, mais mes parents sont catholiques, mais ils vont rarement à l'église. Et tout petit, en fait, j'ai commencé à avoir des expériences que je ne pouvais pas expliquer physiquement. Par exemple? Je me souviens quand j'étais en CE1, il y a un camarade de classe qui était en fin de vie, qui avait un cancer. Et en pleine nuit, j'ai su tout simplement qu'il était mort. Et ça n'avait pas loupé, c'était ça. J'ai eu plusieurs expériences comme ça, déjà pendant mon enfance. Des rêves prémonitoires Des rêves prémonitoires, tout à fait. Il y avait, je faisais des fois aussi certaines expériences, comme si je pouvais me déplacer dans une pièce sans y être, avoir des choses que je n'étais pas censé voir. Comme un voyage astral, c'est ce genre de choses, oui. Alors, ce n'était pas très prononcé, mais quand même. D'accord. Ensuite, j'ai continué à explorer de plus en plus. Et quand j'ai commencé à travailler, quand j'étais jeune adulte, j'ai plongé beaucoup plus profondément. Donc du coup, tu as commencé par quoi? Tu as été initié à quoi en premier? Alors, j'ai commencé par le magnétisme sans être initié. J'avais entendu parler, j'ai essayé, j'ai vu que ça fonctionnait. C'était pour faire quoi? Tu souhaitais faire quoi? Dans quel but? Pourquoi tu... Alors, c'était avant tout déjà pour essayer de me faire passer des douleurs ou quand je me brûlais ou ce genre de choses, ou pour les autres. Et puis, je me suis rendu compte aussi que, en fait, je pouvais faire tomber des gens malades. Ça, je l'ai fait deux fois. D'accord. J'ai fait une fois quand j'étais adolescent, je m'en souviens. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je l'ai fait. Et la personne a eu ce que j'avais demandé. C'était... Et quand j'étais jeune adulte, un collègue avec qui j'avais des difficultés. Je lui ai souhaité du mal et ce que je lui ai souhaité est arrivé. Et tu allais un peu plus loin dans d'autres pratiques? Qu'est-ce que tu as découvert après? Déjà, le magnétisme, ça me posait problème dans le sens où je me suis rendu compte qu'après avoir pratiqué, soit j'étais fatigué ou soit il m'arrivait des choses bizarres. Et j'avais retrouvé une amie d'enfance. Et sa mère pratiquait le Reiki. Et donc, le Reiki. C'est quoi le Reiki? Donc le Reiki, c'est une forme de... comment dire? Ça se fait par imposition des mains, c'est une forme de méditation. Mm-hmm. En fait, ça vient de deux mots japonais. Donc, Rei, c'est l'énergie de vie universelle et Ki, c'est l'énergie de vie individuelle. D'accord. En gros, quand on t'initie, on t'incorpore des symboles dans ton aura qui te permettent de canaliser l'énergie autour de toi pour la restituer à travers tes mains. D'accord, mais du coup, comment on incorpore un symbole dans l'aura, vu que l'aura, c'est censé être quelque chose de... On peut pas le toucher, c'est, oui. C'est ce qui se dégage de nous, c'est... Je sais pas, les symboles étaient faits comme ça. Juste avec des signes, avec la main, c'est manipulation. C'était des symboles tibétains. Mm-hmm. D'accord. Et qui t'a initié à cela? Eh bien, c'était la mère d'une amie qui m'a initié à ça. En fait, il y a plusieurs degrés dans le Reiki. Et la forme que je pratiquais, il y avait jusqu'à 3 degrés. Donc au troisième, tu étais maître. Mm-hmm. Et donc j'étais jusqu'au troisième. D'accord. Et il y a plusieurs initiations à chaque fois dans le Reiki en fonction des niveaux.
D'accord, et au final, du coup, toi aussi, tu as imposé les mains. Oui, tout à fait, oui. Donc, c'était comme des consultations? Je le faisais avant tout pour... payé Je le faisais avant tout pour moi. C'est arrivé certaines fois que je reçois des gens pour leur faire. C'est arrivé juste quelques fois, mais c'est arrivé, oui, tout à fait. Donc, ça se fait souvent sur comme une table de massage. Et donc, tu imposes les mains sur, sur ce qu'on appelle les chakras en ésotérisme. D'accord. Donc, c'est des points particuliers. C'est des points particuliers dans le corps, des centres d'énergie, en fait. C'est ce que signifie chakra, centre d'énergie. D'accord. Waouh. Et donc, quand quand toi, on t'a fait, parce qu'on te l'a fait. Oui. Mais du coup, quand toi, on te l'a fait, est-ce que tu ressentais des choses? Ah oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Qu'est-ce que tu ressentais? Je pouvais ressentir de la chaleur, une forme de bien-être aussi. Et plus je pratiquais, et plus j'étais, je ne vais pas dire excité, énervé, je ne saurais pas comment le décrire, mais plus je me sentais plein de quelque chose, mais plein. Et tu savais, tu étais plein de quoi? Non. À ce moment-là, tu ne savais non, pas? Non, pas du tout, non. Et tu as également fait d'autres pratiques? Oui, j'ai pratiqué des trans profondes conscientes. En fait, j'essayais de... Il me manquait toujours quelque chose. Toujours quelque chose. Donc, une trans, en fait, en gros, c'est qu'on invite un esprit en nous et on le laisse s'exprimer. Il y en a plusieurs formes. Et... moi, j'avais vu quelqu'un le faire et je me suis dit, je vais essayer. Et donc, pour moi, le but, en gros, c'était cet esprit s'exprimer. Je sais pas comment dire. C'est un petit peu finalement comme quand on laisse le Saint-Esprit s'exprimer, sauf que là, c'était pas du tout le Saint-Esprit. C'était pas l'Esprit de Dieu. Je recevais et je retransmettais. Donc, quand je le faisais tout seul, je m'enregistrais et après, je le recopiais. Et finalement, c'était des choses assez. C'était des enseignements que je recevais et c'était philosophique. Mais c'était complètement détourné de Dieu, en fait. Mmh. C'est ça, en fait. Dans l'ésotérisme, c'est comme si ça prend beaucoup de choses de la Bible, mais qui sont complètement déformées et qui, en fait, nous permettent d'expérimenter certaines choses sans Dieu, bien sûr. Oui, bien sûr. Sans Dieu. Et donc, du coup, pendant que tu fais tout ça, tu te rends compte après, bien sûr, que tu ouvres des portes à des démons, en fait. Je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Plus je pratiquais, plus j'approfondissais tout ça et plus il m'arrivait des choses bizarres, vraiment bizarres. Par exemple, une nuit, j'avais été réveillé et j'avais vu en haut de moi, sur le côté, comme des yeux rouges, en fait, qui me regardaient. Ouais. Et j'étais complètement pétrifié. Juste ma tête pouvait bouger. Mon corps était... mon corps ne répondait pas. Mmh. J'avais même pas parlé, en fait. C'était quoi, une paralysie du sommeil? Je pense qu'on peut dire que c'était une paralysie du sommeil. Et en même temps, j'étais dans un état de lucidité, un état spirituel avec une conscience des choses très exacerbée par rapport à d'habitude. Waouh! Ça m'est arrivé deux fois, cette chose. Et c'était dû à quoi, ça? Ah ben, c'était un esprit, très clairement. Les deux fois, c'était un esprit. D'accord. Et par la suite, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire, après ces pratiques? Est-ce que tu es allé beaucoup plus loin que ça, dans d'autres pratiques? Qu'est-ce que tu cherchais en pratiquant ça? Ben, moi, je cherchais à comprendre, en fait, mon but, ça a tout le temps été essayer de comprendre quelle est la vérité. Je cherchais la vérité derrière toutes ces choses, toujours. Ouais. Je cherchais la vérité, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ouais. Parce qu'il se passait bien quelque chose, et c'était certain. Je me souviens, par exemple, d'une fois... on était plusieurs à faire une séance de Reiki et on était plusieurs à voir la même chose. Et là, à ce moment-là, c'était ce qu'on expérimentait à ce moment-là, c'était ce que dans l'ésotérisme, on appelle en fait la réincarnation. En fait, on croit que l'âme peut se réincarner dans plusieurs corps et finalement qu'on a plusieurs vies. Et donc, on était en train d'expérimenter quelque chose qui semblait être effectivement une réincarnation et on était plusieurs en train de la même chose, pas sous la même forme, mais vraiment de vivre la même chose. Alors moi, je me suis dit, puisqu'on est plusieurs à voir la même chose, forcément c'est vrai, jusqu'au jour où après je suis arrivé en Christ et où je me suis rendu compte que non, la réincarnation n'existe pas. La Bible le dit, tout le monde vit une fois et meurt, après quoi vient le jugement. Ouais. Et du coup, en fait, lorsque tu vis ça, tu te dis déjà que c'est vrai. Et c'est après que tu as du recul, en fait, et tu dis, mais en fait, c'est un mensonge. Ben,
J'expérimentais des choses, cette chose est certaine. J'ai vraiment expérimenté des choses, j'ai vraiment expérimenté, pas des guérisons, mais en tout cas des soulagements. J'ai eu un membre de ma famille qui avait eu un cancer et qui, après une chimiothérapie, se sentait très, très fatigué. Je lui avais imposé les mains, je lui avais fait du Reiki juste quelques minutes. Après, elle se sentait bien, elle était plus fatiguée. J'ai vu ces choses, j'ai vraiment vu ces choses, sans savoir ce qui se passait derrière. Mais du coup, ça veut dire du coup, qu'il y a une puissance quand même dans les choses occultes. Ah, tout à fait, tout à fait. Et comment on peut expliquer ça? Pourquoi? J'ai posé la question au Seigneur après, quand je suis rentré en lui, parce que je lui ai dit, écoute Seigneur, je sais que ces choses-là n'étaient pas bonnes, mais j'ai bel et bien vécu des choses. Explique-moi, s'il te plaît. Et dans sa grâce, il m'a expliqué, en fait. On sait que, déjà, spirituellement, rien n'est gratuit, il y a toujours un prix. Nous, en Christ, c'est justement, le prix est déjà payé. Amen. C'est pas le cas dans l'ésotérisme. C'est pourquoi, justement, en tant que magnétiseur, je pouvais avoir des douleurs ou des choses comme ça après. Et que dans le Reiki, il m'a montré qu'en fait, il y a des gens qui payent le prix pour d'autres. Soit des personnes qui sont dans des comas et qui devraient en sortir. Oh. Il m'a montré ce genre de choses, oui, tout à fait. Wow. Il m'a vraiment montré ce genre de choses. Et du coup, ils n'en sortent pas parce que... Mais parce qu'ils sont liés. Ils sont liés par un esprit qui les asservisse complètement pour pouvoir payer le prix pour toutes ces choses qui détournent les gens de la foi. Waouh. C'est extraordinaire quand même, en fait. C'est important ce que tu dis, parce qu'on se rend compte vraiment qu'il y a des personnes qui font parfois des choses, des pratiques, qui se disent « Oh, mais c'est juste la culture, c'est juste les traditions, c'est juste les choses ancestrales de la famille, ou bien « Oh, c'est juste, je vais voir juste un médium, c'est juste la cartomancie, c'est juste de l'astrologie. » On a parfois tendance à dire « C'est juste, c'est pas aussi important. » Alors qu'il y a une vraie portée spirituelle derrière tout ça. Il y a une énorme portée spirituelle, tout à fait, et il y a bel et bien un prix à payer. C'est pourquoi plus on plonge dedans, plus on a des oppressions, plus on est dérangé, plus on a de problèmes. Parce que le diable peut s'attaquer à nous-mêmes. Peut s'attaquer à nous-mêmes. Et puis, de toute façon, les esprits, ils bougent. Donc, ça peut être nos enfants, ça peut être notre famille. Quoi qu'on fasse, on ouvre tout le temps une porte spirituelle. Waouh. Et du coup, au final, toi, à quel moment Dieu t'ouvre les yeux sur tout ça? Dieu m'a ouvert les yeux, en fait, à travers des vidéos sur YouTube. Avec un collègue, de temps en temps, pendant notre pause du midi, on regardait des vidéos sur le surnaturel, avec des poltergeists, des choses comme ça. Et un soir, je m'ennuyais. Poltergeist, ça me dit un truc. Un poltergeist, c'est quand il y a des manifestations spirituelles, genre des objets oui. qui bougent tout seuls. Voilà. Ouais. Et on en trouve sur YouTube. On en trouve. Est-ce que c'est vrai ou pas, je ne sais pas, mais on en trouve. Ouais, ouais. Et donc, je cherchais ce genre de choses. Puis sur YouTube, quand on finit une vidéo, YouTube nous en propose une autre. Oui, les suggestions. De temps en temps, tout doucement, ça a commencé à glisser sur des manifestations dans le ciel, et puis avec un petit verset biblique en dessous. Je trouvais ça bizarre, mais j'ai continué, en fait. Et puis, là, je vois une femme qui témoigne, du coup, une sœur en Christ, qui témoigne en disant... je pratiquais le Reiki et tout, et aux yeux de la Bible, c'est de la sorcellerie. Et là, ça m'a parlé, je me suis dit, waouh, mais c'est exactement ce que... Cette femme, en fait, son témoignage, c'était mon témoignage. Je me suis dit, mais c'est ce que je fais. Et là j'ai commencé à... Un déclic ? Un genre de déclic. J'ai continué la vidéo. En fait, j'ai regardé deux vidéos, celle-ci et une autre avec des frères qui allaient dans la rue, qui imposaient les mains aux malades, on voyait des jambes qui se ragrandissaient, tout ça. Et quand je voyais ça, je ne savais pas si c'était vrai, mais ça parlait vraiment à mon cœur. Et c'est l'une de ces deux vidéos, je ne sais plus laquelle, à 2 minutes de la fin. En hiver, souvent, j'ai froid aux extrémités, très froid aux mains, aux pieds. Et donc, pour se situer, j'étais en train de regarder sur mon canapé avec mon ordinateur portable sur les genoux, et là, donc, froid aux pieds. Et environ 2 minutes de la fin de la vidéo, le Seigneur me touche. Wow. Le Seigneur me touche, mes pieds qui étaient très froids, à l'instant même, brûlants. Donc il y a eu cette manifestation physique, mais en même temps, au plus profond de moi-même, j'ai su. Et là, on ne pouvait pas me faire dire le contraire, que Dieu existe. À ce moment-là, pour moi, Dieu existe. J'ai lutté, j'ai bataillé, je voulais finir ma vidéo, je finis ma vidéo. Je ferme mon ordinateur portable, je le pose. Je bataillais toujours, je change de pièce. Et là, je me mets à genoux, je fonds en larmes et je me souvenais de tous les péchés que je me souvenais que j'avais pratiqués. Je demandais pardon à Dieu. Pour moi, à ce moment-là, Dieu existe. C'était une certitude. Ouais. Jésus, je ne comprenais pas du tout. Le Saint-Esprit, alors là, encore moi. Mais à ce moment-là, pour moi, Dieu existe. C'est sûr.
Et au plus profond de moi, mon cœur était complètement différent. Plus rien à voir. Je me souviens, le lendemain matin, j'étais dans le train, en train de retourner au travail. Et je me disais, mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais? Mais Dieu existe, qu'est-ce que tu fais? Mais où tu vas? Je retourne au travail. Je m'étais brouillé un jour ou deux jours avant avec un collègue. La première chose qui brûlait dans mon cœur, c'était d'aller voir ce collègue et de lui demander pardon. Wow, je lui ai demandé de pardon. Ah oui. Et tout était comme ça. Et le collègue revient me voir quelques minutes après, les larmes aux yeux. Il fait, tu ne peux pas savoir ce que ça me fait, le fait que tu sois venu t'excuser et tout. Puis tout doucement, j'avais vécu quelque chose, j'essayais de le retransmettre aux autres, mais je ne pouvais pas, je ne savais pas comment faire, je me sentais bloqué. J'avais un collègue témoin de Jéhovah qui n'était pas là. Le week-end, je te promets, le week-end, le samedi, je suis allé chez lui, j'ai évangélisé le collègue témoin de Jéhovah avec sa femme en lui partageant tout ce que j'avais vécu et tout. Bon, il a essayé de m'entraîner dans ce monde, mais c'était pas possible. Tu savais ce que t'avais vécu. Ah ben, je savais ce que j'avais vécu. Pour moi, à ce moment-là, mais Dieu existe, quoi. Et c'était mais tellement fort que, en fait, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et je ne savais pas quoi. Et je commence à essayer de chercher, du coup, sur YouTube. Et là, baptême d'eau. Et ça me parlait vraiment. Et je ne pouvais pas attendre de me baptiser. Oui. Donc du coup, chez moi, il n'y avait pas de baignoire. Ça fait tout le temps rire quand je le raconte. J'ai pris l'eau comme je pouvais sous ma douche. J'ai essayé de me baptiser tout seul. Ça n'a pas marché. Bah oui. Donc à ce moment-là, en fait, je priais, mais je ne recevais pas de réponse. Je savais que Dieu existe, mais je n'avais pas de réponse. Je ne sais pas trop comment t'y prendre. Non. Et donc, du coup, je cherche sur YouTube, pas sur YouTube, je cherche sur Internet et j'ai trouvé une petite église de maison à environ 1h30. Et du coup, environ 10 jours après mon baptême, j'ai pu, après, en fait, je suis né de nouveau complètement quand le Seigneur m'a touché. Oui, oui. Et donc, 10 jours après, j'ai pu me faire baptiser le samedi. Alors, pour faire une petite rétrospective, en fait, bien sûr. Environ 2 mois avant de rencontrer le Seigneur, j'avais un problème, en fait, avec l'impudicité, la masturbation. Donc, je regardais des films, tout ça. Et environ deux, je savais que cette chose était très mauvaise. Je savais que ça me faisait du mal. J'y arrivais pas. J'essayais de toutes mes forces, mais au bout de deux, trois semaines, je retombais. Et je me souviens, et je m'en souviens très nettement de la pièce où j'étais. Et à ce moment-là, la dernière fois que j'ai pratiqué, je me sentais tellement mal. Je l'ai prononcé par ma bouche. J'ai juste dit, plus jamais. Et plus jamais je n'ai recommencé. Amen. Et bon, le Seigneur m'a délivré à ce moment-là, je l'ai compris que plus tard. Ouais. Et plus jamais j'ai recommencé. J'ai du coup après supprimé toutes les vidéos qu'il y avait sur mon ordinateur, tout ça, j'ai supprimé. Quand le Seigneur m'a touché, entre le moment où il m'a touché et le moment où j'étais baptisé, j'avais plein de livres ésotériques, j'ai tout brûlé dans le barbecue. Wow. Je m'étais fait fabriquer un médaillon ésotérique qui m'avait coûté quand même un petit peu. Je l'ai pris, je l'ai brûlé, après je l'avais vendu au poil. J'ai tout balancé, les statuettes de Bouddha. Conversion radicale. Ah, mais radicale. Je voulais plus rien avoir à faire avec ces choses-là. Waouh. C'était en fait, c'est un témoignage où en fait Dieu te sort de manière miraculeuse en fait. Ah, mais puis c'était tellement profond. Ça a été, mais radical. Et les gens autour de moi, ils comprenaient pas. Mais tu prenais pas un peu pour un fou? Quelqu'un d'illuminé? Alors, mes collègues au travail ne comprenaient pas. Il s'est passé quelques jours et au bout d'environ 1 ou 2 semaines, presque tous, ils sont venus me voir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que pourquoi? Je faisais énormément de bêtises à mon travail. Je montrais des parties de mon corps que t'as pas à montrer. J'étais extrêmement grossier, extrêmement... Parce que le Seigneur m'a fait devenir, en fait. Et à l'instant même, j'étais plus le même. C'était fini. Tout avait changé. Complètement. Et je pouvais plus rien avoir à faire avec tout ça. Donc, les collègues ont essayé quand même un petit peu de me réentraîner là-dedans, de me remontrer des fois des images que je voulais pas voir. Mais le Seigneur a fait grâce et j'ai... Non. Une fois, malheureusement, on me l'a mis comme ça. Donc, mais autrement, non. Waouh. Ouais. Et donc, du coup, ton comportement a changé radicalement? Radicalement, instantanément. Et mes parents se sont posé des questions. Ma mère me demandait si je faisais partie d'une secte. Et elle comprenait pas ce qui se passait. J'étais pas très proche de la nature. J'aimais bien, mais sans plus. Et du coup, j'ai commencé à me rapprocher plus. Le Seigneur, en plus, a mis un projet dans mon cœur d'habitation autonome. C'est lui vraiment qui me l'a mis. Donc, il m'a montré comment faire et tout. J'ai commencé à expérimenter. Tout, en fait, est arrivé en même temps. Ouais. Et les gens, en fait, autour ne comprenaient pas du tout, quoi. Parce que vraiment, ça a été radical. Waouh. En tout cas, on peut vraiment bénir le Seigneur pour cela. Ah, et oui. Aujourd'hui, si tu as un conseil à donner à un internaute qui est encore dans l'ésotérisme et qui ne comprend pas en fait pourquoi il devrait laisser ça,
quels sont véritablement les dangers, ou quelqu'un là qui est en train de te regarder, qui est dans l'ésotérisme, qu'est-ce que tu pourrais lui dire ? Ce que je pourrais lui dire éventuellement, c'est assez simple en fait. Est-ce que tu as encore soif ou pas après avoir expérimenté ? Parce que la question, elle est là. Est-ce que tu sens qu'il manque quelque chose ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ton cœur, sonne faux ? S'il y a quelque chose qui sonne faux, tu sais au fond de toi que ce que tu fais n'est pas bien. On le sait tous de toute façon, plus ou moins, mais c'est qu'on ne sait pas. Mais à partir du moment où on entend et que ça nous interpelle, je peux juste te conseiller d'accepter Jésus dans ta vie, en fait. Amen, amen. Merci beaucoup en tout cas. Et nous allons maintenant passer à une deuxième partie de notre émission où nous allons prier pour vous. Tu es là et tu me regardes et tu pratiques de l'ésotérisme, de l'occultisme, des choses, des pratiques mystiques en tout cas, qui ont un lien avec le monde spirituel, mais qui pas sous le nom de Jésus-Christ. Tout ce que tu pratiques n'a pas de lien avec le nom de Jésus. Sache que c'est de la sorcellerie, c'est de l'occultisme. Toutes ces choses-là viennent du monde des ténèbres, mais aujourd'hui, Dieu veut t'en délivrer. Et tu peux véritablement être délivré si tu décides aujourd'hui, tu prends la décision de laisser ces choses-là, en fait, et de venir à Jésus. Peut-être que tu vis des possessions démoniaques, des oppressions démoniaques, peut-être que tu vis des paralysies de sommeil. Si tu es dans ce cas, j'aimerais prier pour toi, parce que le diable est un menteur, le diable veut en finir avec toi, le diable ne t'aime pas, mais Jésus lui t'aime et veut te sauver et te sortir de là. Alors là où tu es, tu peux tout simplement mettre ta main sur ton cœur ou mettre ta main sur ta tête. J'aimerais prier et je vais élever la voix et tu vas voir que quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va puissamment intervenir et agir. Père éternel, je te bénis pour toutes ces personnes qui me regardent. Je viens prendre autorité maintenant au nom de Jésus et menacer tout esprit démoniaque qui essaye, Seigneur, et qui oppresse ces personnes. Je déclare que tout esprit qui provoque des cauchemars, des paralysies de sommeil, Seigneur, des oppressions démoniaques soit chassé maintenant au nom de Jésus. Je t'ordonne de partir maintenant et je viens invoquer le feu de Dieu sur tous tes actes. Sur tout ce que tu as semé dans leur vie, sur la peur que tu as semé dans leur vie, au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que tes manigances cessent au nom de Jésus, au nom suprême de Jésus. Maintenant, ces choses s'arrêtent. Je viens neutraliser ta puissance dans leur vie et je déclare la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que ta main demeure maintenant sur leur vie. Je déclare que tu puisses les attirer à toi. Seigneur, que je viens chasser les esprits d'aveuglement, que les écailles tombent des yeux maintenant et qu'ils puissent se rendre compte de combien de fois ils ont besoin de toi et combien de fois ils te cherchent. J'ai prié au nom de Jésus, amen. Amen. Tu as senti quelque chose, tu sens que quelque chose est en train de se passer. J'aimerais te dire que tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tu sais, on a prié pour toi, mais si tu ne décides pas d'appartenir entièrement à Jésus-Christ, ces choses-là peuvent revenir, elles peuvent revenir beaucoup plus fortes. Mais tu peux être garanti d'avoir la protection en Jésus-Christ, car la Bible dit que le nom de Jésus est le nom qui nous a été donné au-dessus de tout nom. Et Dieu, le nom de Jésus, nous donne l'autorité sur le diable et ses démons. Si tu n'es pas en Christ, tu n'as pas cette autorité, alors tu es à la merci du diable. Tu es à la merci de ces choses-là. Parce que nous avons prié pour toi, ces choses vont partir. Mais lorsqu'elles reviendront, est-ce que tu auras l'autorité nécessaire pour pouvoir dire non ? Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas le faire. C'est pour ça que j'aimerais te donner l'opportunité aujourd'hui de devenir enfant de Dieu. Tu sens que tu es loin de Dieu. Tu sens qu'il y a un vide. Il y a un vide au fond de toi que tu n'arrives pas à combler malgré toutes ces pratiques. Aujourd'hui, Dieu te tend la main et Dieu te demande de lui ouvrir la porte. Il dit, voici, je frappe à la porte de ton cœur. Celui qui m'entend, qu'il ouvre la porte. J'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il te tend la main. Et si tu es d'accord pour naître de nouveau, pour devenir enfant de Dieu, il ne suffit pas seulement de croire en Dieu. La croyance ne change pas quelqu'un. Croire en Dieu ne change pas quelqu'un. Les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent, la Bible dit. Donc, croire en Dieu ne fait aucune différence de toi avec un démon, parce que les démons croient aussi. Mais aujourd'hui, tu peux prendre la décision de naître de nouveau et tu peux tout simplement fermer les yeux. Et tu vas répéter cette prière à voix haute après moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, je viens à toi car j'ai besoin de toi. C'est toi que je cherche. Je veux te rencontrer. Révèle-toi à moi. Aujourd'hui, je me tourne vers toi pour me repentir de tous mes péchés.
Je crois que tu es le Fils de Dieu et qu'il t'a ressuscité d'entre les morts. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je veux te suivre aujourd'hui. Alors je t'ouvre mon cœur. Je te reçois et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. À partir d'aujourd'hui, tous mes péchés sont effacés. Je nais de nouveau et je deviens ton enfant. Je passe maintenant dans le royaume de lumière. Je n'appartiens plus aux ténèbres. Et je déclare que la puissance de l'ennemi est brisée dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Maintenant, tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus au diable ni au monde des ténèbres. Toutes ces choses que tu avais l'habitude de faire, brûle tous ces livres, jette toutes ces choses-là. Maintenant, tu appartiens à Christ et tu as l'autorité nécessaire. Lorsque ces choses reviendront, tu peux prendre le nom de Jésus et tu chasses ces choses au nom puissant de Jésus et ces choses partiront. Tu as été béni par ce témoignage. N'hésite pas à me le faire savoir sur ma page Instagram. Partage ton histoire. Merci beaucoup, Nicolas. D'avoir partagé ton témoignage. Que Dieu te bénisse et je crois vraiment que ce témoignage va parler à beaucoup de personnes. Toi aussi, tu aimerais témoigner, alors n'hésite pas à me contacter du coup sur ma page Instagram. Partage ton histoire et je serai ravie, en tout cas, je me ferai un plaisir de te recevoir sur ce plateau. En tout cas, on se dit à une prochaine pour un autre épisode dans Partage ton histoire.